La semaine de Gève n'a jamais si bien porté son nom que pour sa 51e édition. En effet, devant le nombre record de participants à ces championnats de Belgique pour jeunes chevaux, deux journées supplémentaires sont venues étoffer le programme déjà très chargé, preuve que l'élevage belge a toujours le vent en poupe. Tous les produits belges sont présents à l'étranger avec un gros pourcentage dans la tête du sport équestre. Donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus de produits, de plus en plus d'éleveurs, de plus en plus de gens qui s'intéressent. Et c'est tant mieux. Les épreuves destinées aux poulains jusqu'aux chevaux de 7 ans ont ainsi rassemblé plus de 700 candidats au titre national sur des parcours taillés à leur mesure et leur capacité encore limitée en raison de leur jeunesse. Eugène Maty, il est aussi spécialisé à faire ça et c'est toujours bien fait, le temps pas trop long des épreuves. Juste bien, un peu technique, mais pas trop, il fait très bien. Il y a des spécialistes qui font tout le cycle et puis il vient à Gève. Bon, il y a des autres qui viennent faire à Gève pour un peu voir où ce qu'ils en sont. Et bon, moi, je suis dans la deuxième catégorie. J'ai pris 3-7 ans ici parce que je voulais un peu voir où ce que je suis avec les chevaux et sans mettre la pression. C'est un test avant de passer aux choses sérieuses, si on peut dire? Oui, tu vois, c'était aussi juste bien dans mon programme. Et bon, là, on voit déjà un peu avec les chevaux du même âge, tu as quand même quelque chose pour te comparer avec les autres. Fidèle à ses championnats de Belgique à Gève, Dairo Aroyave, le cavalier de la LEWB montait nombre de chevaux à Gève dans différentes catégories, mais c'est sur Bolero de Wisbeek que le cavalier colombien fondait le plus espoir. Ok, avec ce cheval, c'est une super longue histoire parce que ce cheval-là, on l'avait acheté pratiquement 2 mois avec la maman et puis après, on a laissé grandir, c'est le cheval de la famille. Et maintenant, il est né un peu tard. Donc maintenant, si tu veux, il a 6 ans encore. Et c'est de ces preuves que c'est vraiment dur pour lui, mais il est vraiment en confiance avec moi. Il donne tout. Je ne pouvais pas aller plus vite que ça. Mais je suis vraiment content. Au final, ce sera la 3e place de la finale des 7 ans pour Bolero et Dairo. Ok, à chaque fois, dans ce championnat, je suis classé. Mais dans ce concours, moi, j'ai jamais la chance, j'ai jamais réussi à être champion de la finale ici. Mais par contre, c'est une super bonne préparation pour aller faire le concours suivant, que c'est après pour les jeunes chevaux 5-6. C'est magnifique, là, c'est une autre chose, là j'ai la chance. Parmi les autres résultats, on retiendra la belle 3e place de Virginie Tonon avec Capellotti by Martil dans la finale des chevaux de 6 ans. En règle générale, c'est la qualité de ces jeunes chevaux, une fois encore au rendez-vous de Gève, que l'on retiendra. Très bonne qualité de chevaux de 5 ans, on a même eu énormément de sans-fautes, ce qui est très encourageant pour l'avenir. Donc l'élevage s'améliore d'année en année. C'est un sport qui est en pleine progression, donc on ne va pas s'en plaindre, certainement pas. Mais là, en plus, la qualité augmente, tout s'améliore chez nous. Donc c'est vraiment encourageant pour l'avenir et j'ai l'impression que ce n'est pas du tout prêt à s'arrêter. Equi TV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.